Bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux fameuses SCPI de rendement. Populaires, françaises ou européennes, mutualisées, tangibles, rentables, vous les adorez. Pour tout savoir sur les SCPI, je vous propose, comme d'habitude, trois tutos. Le premier ici même pour découvrir l'essentiel, les fondamentaux, et les deux autres vidéos sont gratuitement accessibles dans votre espace Patrimoine Center. Vous êtes prêts? C'est parti! Au programme aujourd'hui, les SCPI de rendement, qu'est-ce que c'est? Dans quel cas investit-on dans des SCPI? Et concrètement, comment ça fonctionne? Et enfin, les frais. Alors les SCPI de rendement, qu'est-ce que c'est? Les sociétés civiles de placement immobilier sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier dit tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, les commerces, les entrepôts, les crèches, les cliniques, un peu partout en France et plus récemment en Europe. Le statut de ces SCPI permet à tout un chacun, personne physique ou personne morale, de rentrer ou de sortir des SCPI à tout moment, pour peu que la SCPI soit à capital variable. Attention, le capital et la liquidité ne sont pas garantis. Les SCPI comportent en effet un risque de perte en capital et leur liquidité dépend du marché. Dans quel cas investit-on dans des SCPI ? Généralement, vous investirez dans des SCPI si vous cherchez à vous générer des revenus complémentaires, à diversifier vos placements pour préparer votre retraite ou parce que vous souhaitez investir dans l'immobilier sans avoir à vous soucier des contraintes liées à la gestion. En plus, contrairement à l'immobilier classique, on peut y investir dès quelques milliers d'euros seulement. Concrètement, comment ça fonctionne? Pour faire simple, vous achetez des parts de la SCPI soit en paiement comptant, soit à crédit. Ces parts vous donnent droit, en proportion de votre investissement, de percevoir chaque trimestre des loyers, qu'on appelle également des revenus fonciers. La particularité de ces loyers, c'est qu'ils vous sont versés entièrement nets de tout frais, de gestion, de taxes foncières, de provisions pour travaux, etc. En 2020, visez un rendement net de frais compris entre 4 et 5% avant impôt. Les frais. Il y a souvent une mécompréhension sur les frais des SCPI. Vous avez deux types de frais lorsque vous investissez dans des SCPI. Tout d'abord, les frais de souscription, qu'on appelle également les frais d'entrée. Ils sont généralement compris entre 8 et 10%. Combien ? 10%? Mais mon Dieu, mais c'est énorme ! Rappelez-vous que simplement, vous avez payé 8% de frais de notaire lorsque vous avez acheté votre maison. Et tout comme les frais de notaire, les frais de souscription ne sont pas négociables. En revanche, et ça c'est très important, ces frais seront prélevés au moment de la revente et non pas au moment de la souscription. Ainsi, c'est 100% de votre argent qui va travailler et non pas 100% moins les frais. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il est recommandé de toujours conserver ses parts de SCPI 8 à 10 ans, justement pour notamment amortir ses frais dans le temps. Le second type de frais que l'on retrouve dans les SCPI sont les frais de gestion. Généralement compris entre 12 et 15%, calculés sur les loyers perçus en amont, mais les loyers qui vous sont versés s'entendent net de frais. Combien ? 12 à 15% Mais mon Dieu, mais c'est énorme ! En fait, c'est parfaitement cohérent. En effet, ce pourcentage englobe tous les frais inhérents à la gestion courante d'un parc immobilier. Les assurances, les travaux, les provisions pour travaux, les taxes foncières, les charges courantes, les charges de copropriété, les publicités, la relocation, les mises aux normes, etc. Bref, absolument tout, puisque justement le rendement qui vous est versé s'entend net de ces frais de gestion. Donc lorsqu'on dit que vous allez percevoir 4,5% de rendement cette année, on entend 4,5% net de frais. Attention, toujours hors fiscalité bien entendu.